Ça a été mon meilleur entraînement de la semaine. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Excusez mon démaquillage. Je me suis déjà lavée ce matin. Avant. Excusez. Avant. Mon Dieu Seigneur. Avant de. Voyons. De m'entraîner parce que Oscar a fait pipi dans mon lit. Yeah. Ça. Non, Oscar, elle vient pas. Fait que ça a vraiment fait du bien. Je me suis fait un bon entraînement ce matin, un petit 15 minutes. Ça a vraiment bien été. Je suis vraiment fière de moi de l'avoir fait. Hier, vous savez, on est allé faire le changement d'huile pour la vanne. Puis, il a commencé à avoir des problèmes de transmission de troubles électriques hier après-midi. Fait que là, aujourd'hui, il faut s'occuper de ça. Les gommettes de main, c'est pour mes dents. Sur quoi t'as collé ça, hein? C'était où, ça? C'était sur les villes. OK. Parfait. Fait que c'est ça, Jonathan, faut qu'il s'occupe de ça aujourd'hui. C'est vraiment poche, en plein samedi. Ça nous tentait de faire des activités, mais là, on pourra pas trop se promener avec la vanne. En famille. Est-ce qu'ils vont nous prêter quelque chose, probablement? Je sais pas trop ce qui va arriver. Jonathan, quand même, propriétaire, fait que on a de la chance pour ça, puis on va avoir un super bon service chez Kia à Rôle d'auto ici à Chicoutimi. Fait qu'on s'occupe de ça aujourd'hui. Je vous tiens au courant. Bon, fait que finalement, Kia nous a prêté une petite auto. Une petite auto bien parfaite. Sérieux, c'est ça, ils sont vraiment gentils parce que c'est fermé la fin de semaine, fait qu'on a un méga bon service. Par rapport à ça, là, c'est vraiment... on peut pas demander mieux, mais nous, on a comme juste une voiture, fait que ça aurait été vraiment tannant de pas avoir rien. Fait que... c'est ça, on a un petit trio pour la fin de semaine, jusqu'à probablement lundi, parce que Jonathan travaille. Fait que lundi, travaille. On va pouvoir aller faire l'épicerie, c'est tout ce qui... Ça va être pas mal ça, la seule affaire qu'on va faire. Puis moi, je vais peut-être aller à Friperie avec Ophélie après-midi. Ce matin, hey, là, il faut que je vous parle de mon nouveau... tu savais que je jeûne le matin. Je jeûne le matin, puis avant, je prenais des pré-workouts pour m'entraîner, puis tout, pour essayer de me craquer un peu. Et l'auto? Ouais, bien correct. Pour me craquer un peu, puis ça brise mon jeûne quand que je prends des pré-workouts à cause de tous les produits qu'il y a là-dedans. Fait que j'ai décidé d'arrêter d'en prendre. Mais l'autre fois, j'avais plus de café. Je m'étais pris un Nescafé. Excusez, j'avais comme des... Je me suis pris du Nescafé, du café instantané, Nescafé. Puis j'ai vraiment été crinquée jusqu'à quasiment 10 heures le soir. Ça n'avait pas de bon sens, mon affaire. Fait que ce matin, j'ai décidé de réitérer, de me prendre un Nescafé. Je vous dis, là, je sors les dents tellement que je suis crinquée. Puis que mon entraînement, ça a tellement bien été. Je suis vraiment contente. Va te mettre des souliers, Marcus. Fait que... c'est ça, c'est mon nouveau pré-workout, c'est mon Nescafé à 3$. M'en passe pas. Puis, c'est ça, c'est pas mauvais, là. C'est pas bon, mais c'est pas mauvais. Fait que voilà, pour la journée, il fait super beau, on est dehors. On va faire le ménage de la remise probablement aujourd'hui. Oui, puis là, Enzo s'en va chez ma mère. Fait que je vous dis, un beau belle journée tout le monde. On se passe. Viens, on va jouer au baseball, bébé. Viens. Viens lancer la boule. Viens, bébé. Philibert. Viens. Pouh! Non, presque. Assis, approche-toi. Un. Maman, c'est plus ça. Maman, bon, fait que je suis partie. Il est 1h. Je vais avec Ophélie à la friperie. On fait une petite tournée friperie, là, rapido. On est à la maison de quartier à Jonquière. Donc, on va aller voir s'il y a du beau stock. Salut! On est de retour, moi, Ophélie. Donc, il est 3h maintenant. Puis, je vais vous montrer vite qu'est-ce que j'ai acheté à la friperie. Dans le fond, on est allé à la friperie Maison de quartier, à la friperie Le Dépanneur et Écofrip Roussel ici en bas, à côté de chez nous. Fait que, à la friperie Écofrip en bas ici, je me suis trouvé deux beaux tops de sport comme ça, Puma. Ils sont vraiment beaux. Un bleu comme ça, il était 5$ chaque. Et un rose fuchsia comme ça ici. Fait qu'on a l'air vraiment neuf, c'est vrai. Ils sont super beaux. J'ai acheté
ça. Ah, puis une petite paire de shorts en jeans, grandeur 3 ans pour Oscar, avec des cordons qui s'ajustent. Donc, ça va être super. Ils sont super cute. C'est le marque Children Place. Friperie, maison de quartier, j'ai trouvé des petites shorts comme ceci. Quicksilver pour Marcus. Des petites Adidas, comme ça ici. Et un petit chandail pour Oscar, comme ça ici, d'ici. Donc voilà mes achats. Friperie, ça a coûté 16,75 $. On est allé faire l'épicerie finalement, mon petit Jonathan. Que je vais vous montrer vite. Qu'est-ce qu'on a acheté? Puis je vous reviens, je vais venir après. Chez Provigo, j'ai acheté de la viande, bœuf haché, bacon, aile de poulet. Maxi, j'ai acheté de la saucisse, des œufs, deux poulets, du jus, des tomates, des avocats, des bananes, un pain, la crème, deux gros shots de fraises, des bleuets, du riz de chou-fleur, deux fois des galettes de riz comme ça, des biscuits, des petites mini Kit Kat, des petits beurres, des biscuits comme ça, des croquettes, des goldfish, les enfants adorent ça. J'espère que vous allez bien! J'ai encore oublié de fermer mon vlog hier! Youpi! On s'est fait une pizza hier keto. Mais moi, je fais toujours ma pâte keto pour la pizza. Puis Jonathan, il l'aime vraiment beaucoup. Fait qu'on a mangé ça, puis on s'est fait une pizza smoke meat. Mais c'était pas complètement keto parce que j'ai utilisé la moutarde au miel Épicure. J'y ai goûté d'ailleurs parce que j'avais vraiment hâte de goûter. Moi, j'adore la moutarde au miel pour vrai. Et c'était délicieux! Ça n'avait pas de bon sens comment c'était bon! C'était bon, sérieux, incroyable! Vraiment une belle pizza, là! C'était tellement bon! Donc, c'est ça! C'est ça qui est ça! J'étais en train de couper des fraises, couper du melon. Je leur fais comme un plateau de fruits, là, dans mon petit mini plat Tupperware, comme ceci, que j'aime vraiment beaucoup. Je l'avais acheté l'été passé, fait que je ne sais pas s'ils en ont ressorti encore cette année. Mais moi, je l'attendais vraiment, vraiment, vraiment avec l'arrivée de la saison estivale. Parce que le gros, je le trouve trop gros. Mais le petit est vraiment parfait. Un bec comme un bec. Fait que là, hier, j'ai acheté des gros melons d'eau. Fait que je vais couper ça aussi pour leur en donner. Parce que je sais, ils vont manger toute la journée. C'est pas compliqué. Fait que je m'entends faire ça tout de suite. Puis ils vont pouvoir piger là-dedans. Puis ils ont déjà passé au travers les 5 barquettes de bleuets. Fait que là, je suis en train de prendre un Nescafé. Comme ça ici. Parce que... ça fait mon pré-workout. Il me craint tellement ce café-là que j'ai plus besoin de prendre de pré-workout. Puis en plus, tu sais, c'est ça, il casse pas mon jeûne. Donc, je le prends. Il est pas bon. C'est pas bon, OK? Je sais que c'est pas bon. Mais il fait l'effet que je recherche. Fait, je le prends pour 3 piastres. Là, vous allez attendre que j'aille fini. Va-t'en là-bas. Vous allez attendre que j'aille fini, là. OK? Va s'arrêter ça, là. Fait l'effet que je recherche. Fait que pourquoi m'en passer? Pourquoi dépenser des cinquantaines de dollars dans des produits qui sont plus ou moins efficaces, mais ben, qui sont efficaces aussi, mais qui cassent mon jeûne? Fait que là, c'est ça, ça le casse pas. Fait que je suis bien contente. Ouais, t'as une gomme. Va porter la chaise d'abord, je t'ai demandé, s'il te plaît. Fait que c'est ça. Parce que maman. Tu manges quoi? Fait que là, il est de bonne heure quand même. Jonathan est parti. Il est appelé à 6h30 à matin pour. Des problèmes à l'usine, fait qu'il est parti à l'usine. Fait que c'est un petit peu tannant. Je suis seule encore aujourd'hui. Ben, il voulait pas y aller, mais tu sais, c'est juste lui qui peut réparer les affaires. C'est rien que lui, tu sais. Qu'est-ce que tu veux? Fait qu'il est parti à 7h.
On ne sait pas combien de temps que ça va durer. Quand ça se met à mal aller, ces affaires-là. Ça se met à mal aller. Fait que pour l'instant, il ne fait pas beau dehors. Merci. Mais j'espère qu'il va faire chaud plus tard un peu parce que il annonçait vraiment beau aujourd'hui. Là. Dimanche, c'est une des plus belles journées. Fait que j'espère qu'il va faire beau. Je coupe du melon d'eau pour la collation, hein? Parce que là, vous n'arrêtez pas de manger depuis 6 heures quand même ce matin, fait que vous ne devez pas avoir tant faim que ça. Ouais, mais ça va être pour quand on va aller dehors tantôt, fait que ça ne sera pas pour tout de suite. Parce que sinon, vous mangez tout, puis après ça, il n'y en a plus. Puis c'est vraiment pas le fun. Ouais, je vais vous en donner un petit morceau. OK, là, allez jouer. Allez jouer un peu, là. Et plus tard, je vais vous en donner plein, plein, plein. On va aller dehors manger ça. OK? Fait que c'est pas mal ça. Et après, tu vas venir les mettre sur le frise. Ouais, plus tard aussi. Ils ont leur plateau de fruits comme ça ici. Ils vont pas se plaindre qu'ils ont rien à manger. OK, no. Ok, je vais serrer tout ça. Je vais finir mon pré-workout improvisé. Puis, ensuite de ça, je vais m'entraîner. Puis, on va aller dehors jouer s'il ne mouille pas. J'espère qu'il ne mouillera pas. J'ai du lavage à faire aussi aujourd'hui. Les lits, mon lit. Puis, en bas. J'ai ramassé en bas. Fait que je vous souhaite une beau belle journée tout le monde. On se reparle un petit peu plus tard. Rendu 3h30 avec tout ça. J'ai passé la journée dehors, en alternance, là, dehors, en dedans, mais principalement dehors, pour vrai. On n'a pas arrêté. Fait super beau aujourd'hui. Ça aurait été une journée pour se baigner. Je pense bien, on est allé au parc. Les gars ont joué dehors. On a joué au baseball. On a fait plein de petites affaires. Là, Jonathan vient de revenir de la job. Puis, moi, j'avais des commissions. Faut que j'aille m'acheter du shampoing. Puis, il faut aller chez Canadian Tire, on va aller porter ma cafetière. Puis, c'est pas mal ça. Je montrerai mes achats. Salut! Je suis allée chez Walmart, je me suis trouvé ces petites lunettes-là. 7$. C'était vraiment pas cher. Fait que je les ai achetées, mais en fait, ils étaient à 15$. Mais, ils ont passé à 7$. Fait que j'étais vraiment contente. Chez Walmart, j'ai acheté aussi des petits plats comme ça pour les collations. J'en avais plus du tout. Donc, deux petits plats. J'ai acheté aussi 3 barquettes de bleuets parce que ça a passé super vite. Puis, en spécial, est à 1,67. Donc, j'en ai acheté 3. Ensuite, on est allé chez Canadian Tire porter ma cafetière et on a racheté des choses. Jonathan s'est laissé tenter par une espèce de grande affaire. C'est pour les enfants. De gomme, ballon. C'est tenté. Ouais, mais tu t'es laissé tenter pareil. Tu t'es dit, moi, j'aimerais ça être un enfant, voir ça.
Puis c'est d'acheter des clés Allen, c'est ça? Ouais. Un kit de clés Allen. Hey, c'est gâté, là! Je vous le jure! Puis on a acheté des petits fusils mini Nerf comme ça aux enfants. Ensuite de ça, moi, je me suis acheté du shampoing. Je peux enlever mes lunettes. On a acheté une casquette à Oscar chez Clément. Puis une casquette à Philly, comme ça ici. Il était à 20$. Puis mon shampoing, je vais vous montrer ça. Je me suis gâtée. Ça veut dire que ça a coûté 80$ de produits pour les cheveux. Oups! Excusez, ça a coûté 80$ de produits pour les cheveux. Fait que je me suis vraiment gâtée. J'avais déjà le masque de cette collection-là. Donc, je me suis acheté le shampoing protecteur, renforcer les liaisons et protéger la durée de la couleur de Joico. Ensuite de ça, je me suis acheté le shampoing, le revitalisant, comme ça ici. Et je me suis acheté aussi un soin protecteur contre les dommages et soins UV. Et aussi, je me suis acheté une petite affaire de pour les pointes. Fait que quand mes cheveux sont secs, puis que sont sèches, qu'ils ont... que je les ai comme lavés, puis ils ont séché le lendemain, tu sais, je peux comme me mettre ça, ces pointes, là, que c'est ça que je me tâche. Voilà! Fait que là, je vais vous préparer le souper, puis en même temps, je vais vous souhaiter une belle soirée. Je fais des ailes de poulet maison, donc ça va prendre un petit bout de temps, là. On va souper vers 6 heures, à peu près. Donc, on va faire cuire ça. Je vais partir mon four tout de suite, pour pas l'oublier. Puis, sinon, on a eu une super belle journée dehors, c'est vraiment fun. Mes enfants ont joué toute la journée. Fait que c'était vraiment plaisant. Oh, t'es bibou! C'est pas elle à toi! C'est où? Ouais, celle-là, ça se calme. Bon, c'est pas vraiment grave. Donc là-dessus, je vous souhaite une belle soirée, tout le monde. Une belle journée, une belle nuit. On se reparle bientôt. Bye!